Souma Ahmad, on revient avec Merlène. Lumba, Loemba, deuxième, poteau, très bon contrôle. Et qu'est-ce qu'il va nous faire là, Lambeau? Et puis la frappe maintenant de Wilmot. Waouh, waouh, quelle frappe et quel but! Quel but de Renaud Wilmot, c'est son premier cette saison en Challenger Pro League. Alors là, malgré sa grande taille, Papsy ne sait absolument rien faire sur cet envoi qui va rentrer avec un petit peu d'aide de la barre transversale. Et on sentait que ça arrivait, hein, serein, le RFC Liège qui était... Attention ici, très bien sorti hein, de la défense encore une fois. Et dans le grand rectangle, on a souvent tendance à profiter un petit peu trop des dribbles. Et puis cette frappe de Cassio qui va offrir un corner à ses pas. Et le petit ballon qui saute et qui revient dans les pieds de Merlène avec un petit peu de chance. C'est du 3 contre 4. Et alors là, Atterri qui doit faire la passe. Non! Oh là 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 là! Loemba qui va chercher Brugman. Ça joue bien du côté du RFC Liège. Brugman avec son pied gauche. Est-ce qu'il va pouvoir centrer vers Atterri? Justement, Atterri. Il ne sait pas trop comment, mais le ballon est toujours là. Oh, le sauvetage! Oh, oh, superbe! Magnifique! Salvateur! Tout ce que vous voulez, mais en tout cas là. Passe S-I mais S-Y, hein, c'est-à-dire pas Pussy. Le gardien sénégalais, Merlène, Merlène, un slalom, deux slaloms, trois slaloms, Benoît Nissen, le centre, la frappe de Cassio. On s'y attendait, c'était assez logique, vu la facilité avec laquelle le RFC Liège se baladait dans cette défense sérésienne et qui avait commencé cette deuxième période avec cet entrain, cette énergie. Il avait marqué lors de l'avant-dernier match face au RSCA Futur, justement. Attention, parce que là, s'il laisse passer pour Merlène, ouais, c'est le troisième. Hein. Non, si, est toujours là, mais là, on ne suit pas. On ne suit pas et c'est déconcertant de faciliter ces attaques, ces offensives liégeoises qui s'amusent, qui se baladent dans cette défense sérésienne. On est en confiance, il y a les autos. Il y a un bon appel là de Moussa Fall et finalement Fall qui va pouvoir terminer peut-être. Non! Quel arrêt de Kevin Debatti, la voilà! La voilà, la première occasion. Véritable tentative. Brugman. Nissen, il est passé, Nissen, sur la droite il y a Cavelier, c'est ce qu'il va attendre, cet appel de Maxime Cavelier, le centre ensuite, et puis la frappe de nouveau, la même chose que tout à l'heure, on prend les mêmes, pas vraiment les mêmes, on recommence, mais en tout cas on prend le même système, la même combinaison, et ce sont les deux joueurs qui viennent de monter, qui sont décisifs, c'est-à-dire Mohamed Mouli et Maxime Cavelier avec un nouvel assist. A terminé une action, et c'est ce qui ennuie d'ailleurs, c'est... ses coéquipiers. Oh, il a été déstabilisé, mais il va vite. Et puis la fin de frappe, le tir, Kevin Debatti. Longue transversale, Yanis Lawson de l'autre côté qui tente de centrer, mais qui rate un petit peu son geste. Voilà. Fin officielle, mais annoncée par l'arbitre.